l'avant du casque. Il doit être ni trop derrière, parce que là je ne le vois pas, ni trop devant, parce que là il est trop contaminé. Hop, je dois le poser pour voir. Et donc pour freiner, il faut appuyer sur les deux en même temps. Oui, on appuie sur les deux en même temps pour freiner. Ok? Alors. Allez, debout sur les pédales. On lève les fesses de la selle. Ouais, très bien. Là, on baisse la tête. Si tout le monde passe, on va pouvoir baisser. Alors, Léo, je suis déjà là, moi. Là, la barre, elle est à 1,20 m. Ouais, bien joué. Faut pas s'arrêter, poulette. C'est sans s'arrêter, hein. Ouais. Sans s'arrêter, ouais. Oh là là, il y en a un qui m'a fait un give me five. C'est une jolie école. Découvrez votre classe. Et je suis impressionnée que vous savez déjà tous bien faire du vélo. Parce qu'on a fait plein d'exercices, hein, sans vous en rendre compte. Vous savez tous bien monter, descendre. Oui. Oui. Vous savez tous bien freiner avec les deux freins, rejoindre votre planète. Oui. 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 On est passé en dessous de la barre. Oui. Et elle était à 1 mètre la barre à la fin. Oui. On aurait pu encore la baisser. Comment ça? Oh, j'ai pas entendu, c'était comment ça? Ça c'est magnifique, ça c'est bien! Et on peut l'applaudir, hein! Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous renseigner. Donc, vous pouvez vous renseigner sur le site directement, generationvelo.fr. Vous pouvez aussi retrouver un article que j'avais écrit sur mon site, hein, donc où j'avais parlé du savoir rouler à vélo. Et puis, bah, si vous suivez dans les quelques jours les posts que je ferai sur les réseaux sociaux, je reparlerai de ce dispositif, donc Génération Vélo. Voilà, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi pour me poser des questions et je vous raconterai ma belle expérience vécue avec Valérie aujourd'hui.